Allez, bonsoir tout le monde. On est reparti dans du coup quatrième let's play sur Plague Tale Requiem. Donc on avait laissé la partie avec... Enfin on était parti avec Hugo. On s'était séparé de notre mère et de l'autre gamin. Salut Altu, comment vas-tu? Ouais, les renforces. Cette fille, elle a tué des soldats aguerris. Alors. Des chiens de guerre de la muraille? La muraille n'utilise pas les femmes, les enfants. Alors, je me rappelle plus ce qu'il faut. Ah ouais, putain, faut qu'on échappe. Ah. Ah ouais, c'est ça. Du coup, faudrait passer sans se faire repérer, quoi. Idéalement. Non, ça marche pas là ici. On peut pas le faire quand on est en dessous. Ouais, bah écoute, ça va tranquillement, tranquillement. On essaye de voir comment on va pouvoir sortir de ce bourbier. Ah, l'autre, il est là. Est-ce qu'on pourrait pas le buter discrètement le bordel? Laisser venir, peut-être faire le tour. Ah putain. Allez. Bon, on en a eu un discretos, c'est déjà pas mal. Ce qui va nous permettre de, voilà, pouvoir récupérer quelques bricoles. On va essayer d'aller chercher le deuxième. Pareil en mode discret si on peut. Il y a un casque lui. Je crois. Ah non, peut-être pas. Oh, dans le doute. On en a un qui est là-bas, qui à mon avis, on va pas avoir le choix que de le passer par lui.
Bon, lui, il fait quoi comme trajet là, parce que... Bon, ça va me caguer là. Ah, mais vas-y, me repère tous. Bon, comment on va passer là-dedans? Que déjà, je sais même pas où je dois aller, au final. Ah, si, derrière lui, je pense. Lui, de toute manière, il va me faire chier. Pourquoi il y a du rouge là-bas? Je ne sais pas. Parce que si j'y vais comme ça... Merde. Échec. Bon, on va peut-être refaire la même. On va essayer de refaire la même, mais cette fois-ci de passer. Et... Ah oui. On va attendre que l'autre soit près de ça, ça on peut l'enflammer. C'est eux, j'en suis sûr. Ah non, on peut pas le brûler. Bon, c'est dommage. Je sais que vous êtes par ici. Je vous retrouverai. Pourquoi il se relève pas? Qu'est-ce qu'il y a? Hey! On a un soldat mort. Faut trouver qui a fait ça. Bon. Là, une trappe. Oui. On a réussi à passer ici. Ok, allez, un passage de fée. On doit attendre ce bâtiment. C'est une église? Je sais pas, mais on est trop visible. Allons à l'intérieur, c'est peut-être plus dur. Ouais, bon, je suppose que ça va être encore... Voilà, blindé de garde.
Ils abandonnent jamais. Oh, ce sont des bouchers. Tu en as tué beaucoup dans la ville rouge. Plus que j'aurais dû. Oh, puis alors, vas-y, que des casques, quoi. Ça c'est abusé par contre, il n'y a aucun ennemi que tu peux buter quoi. Alors je sais, on est là pour faire de la discrétion, mais enfin bon. On en a un en hauteur là-bas. Hello Titi, salut Chunky. Oui, et tu te reposeras. On en a un là-bas. Allez, bouge. Ah putain. N'oubliez pas, le comte d'Arles veut débarrasser ses terres de la vermine. Cette fille a tué nos frères. Elle sera exécutée ici. Et il est où notre comte, hein? Ses terres sont ravagées par la peste. C'est lui qui donne les ordres. Un peu de respect. Ouais. Un peu de respect, s'il vous plaît. J'allais dire, peut-être pas foncer droit sur moi quand même. N'empêche que je sais pas par où passer. Alors le garde fait demi-tour là. Allez, dépêche-toi. Le garde, on... c'est une capuche. Putain, ça fait flou, c'est moi. Non. Normalement, lui, on devrait pouvoir le buter. Par contre, on va peut-être attendre qu'il refasse un aller-retour là-bas, l'autre garde là, parce que à mon avis il va être à peu près le temps de le buter. On va se faire repérer sinon. Okay. On va le tester à la fronde. Attendre que lui repasse. Hein. On va y aller avec prudence parce que on s'est fait avoir une paire de fois. Ah, mon ami Chunky vient de se connecter sur sa PS. On va laisser faire demi-tour lui. Pas récupérer des munitions d'arbalète là un peu. Oh, putain. On peut jamais rien récupérer aussi.
Ouais, je sens quoi, pas tarder à se faire repérer, nous. Ouais, bien sûr, on peut rien fabriquer. Enfin, on peut rien prendre. Dis-moi si tu ne te sens pas bien. Je ne me sentirai bien que quand on sera en sécurité. Oh putain, il y en a partout. Ah mais vas-y, je fais comment après pour passer là? L'écran est noir, Titi, il y a eu un bug, j'installe God of War. Ah ok, ouais non mais t'inquiète, y a pas de soucis. Alors, il y en a là, là-bas. Le problème, c'est que si je vais dans les grandes herbes, j'ai l'impression que il passe un peu trop près, quoi. Oh l'autre. Mais non, mais putain, pourquoi il me jette une pierre comme ça là? Ouais, le problème c'est que... Et voilà. Putain. Rien. C'est bon. Hein? Une deuxième fois? Bon, allons voir. Je me suis encore trompé. Je sens que je vais le regretter, ça. Oh, on y est. Mais... Oh, pardonne-moi. Je me sens mal, Hugo. Tu te reposeras à l'intérieur. Bon, allez, hop, on a réussi à passer ce passage, c'est cool. Et toi, ça va, Altu, t'as bien l'image? Ça fait si mal, je sais pas si je vais y arriver. Non, on partira d'ici. Je te protégerai. On ira sur l'île ensemble. Oui, il faut qu'on sorte d'ici. À la mer. Oui, bientôt. Oh, bien sûr. Eh oui, il me faut encore un couteau. Putain, je trouve les établis, j'ai jamais rien pour les ouvrir, quoi. C'est relou aussi. Qu'on puisse pas
Alors, c'est bizarre, c'est devenu noir, j'ai dû quitter et revenir, peut-être ma connexion. Ouais, je sais pas, bizarre. Hein. Ça sent trop mauvais. Des cadavres. Je veux un couteau. Oh. Non, non, ne meurs pas. Je suis ici. Fatiguée. Non. Bon, après un problème de connexion, tout simplement un bug sur l'appli après, hein, ça peut arriver aussi. Quoi ? Non, non, ils arrivent ! Amicia, vite ! Amicia, réveille-toi ! Ils sont là, Amicia ! Tu dois te réveiller ! Oh putain ! Vous pouvez déplacer la horde. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est original, putain. Ah, c'est pas mal ça, putain, si on pouvait le contrôler un peu plus souvent. Terra, j'entends Terra. Ne t'inquiète pas, ils nous ont aidés. Quoi ? Hé ! Terra ! Tu vois ça ? Terra ! Ouais ? Il s'est passé quoi ici ? Ils sont en train de dévorer nos hommes ! Attention ! Des soldats ! Non, je peux pas. Repose-toi. C'est dégueulasse, c'est-à-dire. Ah, le fait de... Hugo peut désormais contrôler une ordre. Maintenez la flèche pour créer une connexion avec les rats. Ah, la flèche de bas. Viser une horde. Et appuyer sur RT pour en prendre le contrôle. D'accord. Banzai! Appuyez pour stopper le contrôle. D'accord. C'était quoi ça? Les ratiches. T'as vraiment. Oui. Tu peux te lever? Ah, c'est vraiment excellent ça. Doucement. Bon, par contre, j'ai foutu des rats partout. Les a vraiment contrôlés. Oui, il me laisse les utiliser. D'accord. Partons d'ici maintenant. Je veux un couteau d'abord. Je vais chercher mon établi là, bordel de merde. Putain. Ouais. T'es obligé de... Putain, ils se regroupent tous là, les bâtards. Ah non, ça sert à rien.
toujours dans ma tête. Ça siffle. Tu les as contrôlés comme avant? C'est différent. Cette fois, j'étais dans leur tête. Attention, ils ne doivent pas prendre le dessus. La macula veut te submerger, se nourrir de tes émotions. Tu dois faire très attention. D'accord. Ouais, d'accord, mais putain. Allez, j'ai plus de peau, je peux pas jeter de trucs, moi. Ah, il y a forcément une douille quelque part. Hein. Je comprends pas. Là. Joli ça, mais il faut du feu pour passer. Oui, sans blague. Alors, c'est quoi cet embrouille là? Pourquoi ça marche pas ça? Moi pas comprendre, ouais ben moi non plus, c'est bien le problème. Je mets de la poids mais... Ah. Bien vu. Ah, j'aurais dû faire ça tout à l'heure. Bon, là, ils sont en train de bouffer des gens, donc normalement, ça passe. On va y aller tranquillou minou là, parce que... Bah écoute... Je commence à avoir... Ah, ils étaient en train de bouffer quelqu'un quoi, ces bâtards. Oui, ça va te réchauffer. En posant un tas plus souple, un missile recharge beaucoup plus vite. Ouais. Ouais, on te merde, j'ai pas assez de matériaux pour faire quoi que ce soit. Comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Est sale. On pourrait le changer. On pourrait utiliser cela. Ils sont propres. D'accord. Ok. Ça va te faire du bien. J'espère. Lequel tu veux? Je ne sais pas. Celui-là. Ne bouge pas. Ça doit ressembler à Rambo, quoi. Pardon. C'est fini. Merci. C'est mieux, j'espère. Alors. On revient ici où on peut rien faire. Oh Seigneur, regarde la taille de cet endroit. Comment on va? On va y arriver. Ne meurs pas.
les morts en paix. Le capitaine nous fera pire si on tue pas la fille. Les soldats, Hera, attention. Je te protégerai. Amicia, il y a des rats cachés dans les cuves. Peut-être que tu pourrais... Vas-y, utilise-les. Oui, je vais les rappeler. Coucou. C'est un peu space à contrôler. Après, je pense que il y a une distance maximum auquel on peut aller. Alors, c'est pas ma guerre. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas ma guerre, mon colonel. Ah, une pyrite, ça, c'est bien ça. Hop, on reprend tout là, parce que... Un pot. Amicia, les rats m'appellent. Ils aiment bien quand je les utilise. C'est pour ça que tu dois rester silencieux. Ah putain, je peux pas passer. Ah, faut que j'ai un visu sur eux. Ah, j'ai l'impression. Après, on peut... on peut jouer avec les deux, parce qu'on peut éteindre les torches des adversaires. Bien sûr, ça marche pas. Allez. Ah putain, on est trop loin de la horde maintenant. Ah putain, c'est abusé. Ouais, bon ben... Faut tarder à mourir. Vous allez le payer cher. Ouais, mais tu nous vois pas.
je sais, mais ça ne s'arrête jamais. Où vous avez filé? Montrez-vous! Je sais pas trop. Bonjour mon Titi, bisous. Bon, allez, bon jeu à toi aussi. Profite bien de God of War, il est terrible. Merde, y'a plus de horde. Bah. Et ça, c'est quoi? Bon, bah, ça marche plus. Il y a de l'eau, donc on peut pas traverser. Bon, lui il est mort. On peut pas prendre le contrôle de la horde. Par contre, si on passe à côté, ils peuvent nous bouffer. C'est par là, moi. Enculé, il y a l'autre qui arrive. Attends, on va passer par là. Ah, ça y est, lui, il est bloqué de ce côté-là. Putain, et après, j'ai les rats qui ont cassé les burnes. Bah lui du coup il est ultra mal placé. J'ai fait une belle connerie là. Passer par l'eau.
Ok, ici c'est pour redescendre. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il y a l'autre qui est mort. T'es toujours vivant ? Hé ! T'es tué ! On a des intrus ! Le fragment, bon. Ok, allez. On a un qui traîne là. Je suppose que ça, c'est un casque. Allez. Pourquoi faire autrement? Il n'y a que des casques de toute manière, je crois. Ça va finir en course à pied au travers le truc là-bas. Ouais, bien sûr. Inutile de vous cacher. Je vous aurai. Je sais que vous êtes par ici. Je vous retrouverai. Magnifique, tu te fais repérer par tout le monde. Oublions ça. On te soignera sur l'île. Ça ira mieux. Ouais, ça commence à me gonfler là. Y a pas beaucoup de place là, on peut pas. On peut se cacher nulle part. Allez, barre-toi là. Allez, dégage! Putain. Hugo, si les choses tombent vraiment mal, tu devras... Non, on te trouvera un docteur. Tout ira bien. Cherche-les! Quelqu'un se cache dans le coin! Cherche-les!
cachés partout. Ouais, bien sûr. Allez, t'essayes de faire X là pour attaquer, mais non, ça marche pas. Allez, c'est bon. Cours, Forest. Oh, Gispé. Ouais, super, et je fais quoi avec ça, moi? Éliminer la bête. Et briser son point faible. Monsieur, ta blessure. Peu importe, je vais régler ça. Je m'occuperai du gamin aussi. Trop de mauvaises graines sur ces terres. Oh, reste près de moi, Hugo. Ouais, j'y comprends rien. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse là? Je suis le bras armé de la loi. Je défoncerai aussi le bourreau. Eh, c'est super, mets des pas surtout, hein. Un pot. Ah, génial, j'ai des pots. Tu savais que ça allait arriver. Je dois gagner du temps. L'étourdir. Sale sorcière. Je te fracasserai la tête. Ouais, mais après, je fais comment pour le buter? Ouais, mais vas-y. Non, mais putain. Ouais. Ah, mais moi, ça me casse les couilles. Là, franchement, là, ça commence à me gonfler, là, Joe. Et t'as que des mecs en armure. Qu'est-ce que tu veux qu'on y foute, quoi? Ouais. Tu peux pas les buter, tu peux rien faire. Ouais, tu cours en milieu d'une cour là, tu peux faire que dalle. C'est n'importe quoi ce jeu. T'as des pots. Ouh, youpi, je cours. Ouh, c'est trop bien le jeu. Oh là là, j'ai pas d'armes pour me battre. Il y a des coffres là, connasse. Putain, mais c'est pas possible. Tu peux pas aller chercher les coffres alors que pendant le combat tu peux pas les ouvrir. C'est super bien foutu. Ah, franchement, techniquement il est magnifique, mais alors il y a vraiment des gros problèmes dans le gameplay. Ah, et puis vas-y, tu repars sur une zone de combat direct. T'as pas de temps mort. Contrôle, Hugo. Arrêtez! Bouge-vous tous! Je les ai déjà fait!
Il est chaud le gamin. Il utilise un peu trop ses pouvoirs. Plus vite, tu vas pas sortir grand chose. Ouais, super. Qui est capturé pour changer un peu. T'es réveillé. Il t'a sauvé. Il dit qu'il nous amènera sur l'île. Il sait où elle est. Elle s'appelle Lacuna. Attends. Et il trouvera Lacuna Matata. Parce que tu pouvais pas sortir. Oui. Alors j'imaginais qu'on jouait ensemble. Ah. Je vois. On y est ? Où est le bateau ? Où il est ? J'espère qu'il est grand. Plus très loin. Je libère nos chevaux. Pour la fin, on va prendre un chemin plus sûr à pied. Je voudrais vérifier. Je peux ? Ça fait 2 jours, là. Bon. T'es raccommodé. Plus ou moins. Laisse ta blessure à l'air libre. Ça fera un peu mal de temps en temps. Respire et détends-toi. Il faut te dire que ta voix n'aide pas. Arrête de jouer les durs. Ça te réussit pas trop. Très bien. Alors dis-moi pourquoi tu es revenu. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir. Dis-moi pourquoi je te ferai confiance. Pourquoi je ne devrais pas laisser les rats me débarrasser de toi une fois pour toutes. Le comte a lancé son armée contre nous. La racaille de Provence. Beaucoup de mes hommes, mes amis, ont été tués ou ont filé. Tôt ou tard, ils finiront par m'avoir aussi. Alors tu veux fuir ? Oui. Les taux se resserrent, mais vous avez peut-être la solution. Les rats. Le moyen le plus sûr d'échapper à la meute qui me court après.
Je sais où trouver votre île. Tout ce que tu dois faire, c'est me garder en vie jusqu'à ce qu'on y soit. Amicia, viens! Viens voir! Oui, j'arrive! Fais très attention. Ceci me rappelle à chaque instant que je ferais mieux de te tuer. Attention, elle rigole pas la gamine. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu sens Par contre, c'est super bien. Eh bien, je sens les chevaux et... Oh Seigneur, c'est moi ça? Non, ça sent les algues. Bien de nous filer une arbalète, mais ce serait Attends, bien de nous filer des munitions de temps en temps, quoi. Depuis que je l'ai, j'ai trouvé un carreau une fois, quoi. Yeah Hugo. J'espère que tu ne lui as pas dit pour tes rêves, pour tout le reste. Hugo, reviens! J'ai pas envie de jouer! Je ne parle pas au poulet! C'est dur pour toi d'être agréable, espèce de petit... Con. Au moins, tu as l'air d'aller mieux. Amicia, on est là! Hugo, tu ne m'as pas répondu. Venez, on n'est pas là pour admirer la vue. Dis-moi d'abord où nous allons. Vous trouvez un bateau, j'ai un contact. Qui ? Contrebandière, bateau rapide, discret, y a pas mieux. Parfait. Encore des truands. Oui, faudra t'y faire. C'est ta vie à présent. Alors si tu veux aller à Lacuna après ton coup d'éclat, soit tu prends le bateau, soit tu vas à la nage. J'ai trop hâte de prendre le bateau. Ah, tu l'entends ? Ça, c'est une bonne attitude. Ça, c'est une bonne attitude. Ah, c'est trop haut. Saute, je te rattrape. Wow. Hé, attention. Merci. Bien. Surtout, ne m'attendez pas. Tu pèses ton poids. Ta sœur te nourrit bien. J'adore manger. Hé, regardez en bas. Oh, arrêtez de courir comme ça. C'est lui qui fonce. Ralentis, petit gars. On a une blessée! C'est trop aimable. C'est joli! Oh, il y en a plein! C'est une armée d'oiseaux! On dirait bien. Je serai toi, je sonnerai la charge. Oh, je peux, Amicia? Si tu veux. Mais reste bien en vue. Allez, soldats, chargez! Si on avait eu plus de gars comme lui dans nos rangs, on aurait battu les Anglais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu connais à la guerre? J'étais chevalier avant, en Guyenne. Oh, on vient de Guyenne. Un beau gâchis. C'est vrai. Bon, il n'y a rien à récupérer, a fortiori. Reviendront pas de sitôt. Je pourrais être un soldat. C'est sûr. Oh, je ne crois pas. Un jour, il sera assez grand pour choisir. On verra. Ça a l'air calme. Quelqu'un habite ici? Non, je ne pense pas. J'aimerais bien vivre ici, moi. Juste devant la mer. Super. Oh, un couteau. 2 heures après avoir trouvé un établi débloqué avec un couteau. Ça fout de la gueule du monde, ce jeu. Mal calibré.
Il y a du poisson, mais on peut rien en faire, c'est bizarre quand même. Ouais, je sais pas. Space. On y est. Me dis pas que c'est ça ton bateau. Bien sûr que non. Mais ça y mène. Tu vois ce poteau? Il y a une corde accrochée dessus. Tire le bateau d'ici. Non, non, mais ferme ta gueule. Je suis tellement faible. Ouais, bah, je suis pas prête. Ça doit venir d'un oiseau marin. Une mouette? Sûrement. Et maintenant, elle est à toi. Tiens. J'aime bien les mouettes. On appelle ça des mouettes rieuses ici. Quoi? Tu vois? Il y a une botte. Viens, on s'en va. Ouais, mais c'est chelou. Je vais t'aider, Amicia. Bien. Continuez. Arnaud. Quoi? Recule. Non, chien. Oh, merde. Merde. Il t'aime bien, on dirait. Ils ont failli m'avoir. Oui. Malade, bordel. Allons, allons. Bon, libérons le chemin. Je pourrais les faire bouger. Ça s'est mal terminé l'autre fois. C'est pas pareil. Je peux y arriver. Oui. Essayons. Doucement, d'accord? Oui. Ils t'obéissent vraiment? Comment tu fais ça? D'où ça vient? Mais putain, ta race. C'est fait. Allons-y alors. Ils vont pas nous suivre, hein? Je sais pas. Tu te trouves appétissant, toi? Sale morphale. Sans vouloir vexer, petit gars. Bon, du coup, on fait quoi? Les contrebandiers sont par là? Oui, c'est un raccourci. Tu sais qu'il grouille de rats, ton raccourci? Oui. Ça veut dire aussi moins de soldats. Et on a le petit, non? Seigneur, je n'aime pas ça. Oh oh. Quoi? Mais ils sont des millions! T'es content? On passe un carreau. Parfait. N'aie pas peur. Sans blague. Hé, petit gars, ils t'obéissent. Balance-les tous dans la mer. J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Ah, excellent. Bon. Alors, je pourrais les amener où aussi, parce que si je prends le contrôle avec le petit, il y a quoi par là? Il y a un truc qui se met. Vas-y, gros sac, barre-toi.
pire. Oh, tu peux rien faire ici. Ah si, ouais, j'ai compris. Hop, on fait ça. On va tous là. Hop, tous là. Tac, et après... Espèce de coffre aussi. Monte. Oui. Oh, regarde. Les grottes continuent par là-bas. Voilà notre chemin. C'est ça, un raccourci pour toi? Oui, bon, avec ces rats, on devrait faire demi-tour. Non. J'ouvre la voie. Tu me suis et tu fais ce que je dis. Tant qu'on s'en sort vivant. Ce sera utile. Ce petit bâton. Suis-moi, point. Ok. Chercher un autre bâton parce que là. Ah, monte, vite, d'accord. Vu qu'on a été chercher le coffre et le pot. On monte, d'accord. Perdu un peu de temps. Allez! Et putain! Et tu vas l'enflammer ton putain de bâton? Et voilà! Facile! C'est exactement le mot que j'avais en tête! Tu n'aimes vraiment pas les rats? Personne les aime, Tiga. Oh. Oh non. Oh, magnifique. Quoi? C'est quoi ça? C'est un nid. Oh, ne me dis pas qu'on doit aller là-dedans. Et si? On devrait pas. C'est ça ou on reste ici? Bon, bah allez. Un chariot! Ces contrebandiers ont dû l'abandonner. Je ne vois pas pourquoi. Allez, respire un grand coup. On y va. Ça va être vraiment horrible, Amicia. Même le petit est terrorisé, là. Tu es sûr de toi? C'est le seul moyen. La lumière du chariot nous protégera. Je ne suis pas prêt à ça. Cette odeur... C'est quoi, cette chose? Oh putain, c'est horrible. La chair de poule. Et
fabrique ça. Oh, c'est vraiment malsain leur truc. Comme des gens. Oh, bon sang. Tu as dit que vous étiez en Guyenne. Ça a commencé là-bas. Tu. Mais je l'ai pas fait exprès. C'est à cause de toi? Il ne peut rien y faire, d'accord? Nous aussi on subit tout ça, comme tout le monde. Ah, c'est là qu'on peut pas. Avec tous. Je veux que ça s'arrête. On ira à la Luna. On te soignera. C'est de la folie. Ouais. Bien vu. Voyons ce qu'il contient. Ouais. On a vraiment une ambiance assez assez malsaine quand même. Mon sang. Ça fait quelle taille ça? Ça pourrait être géant. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais c'est One Again. Comment ça, de la lumière avec qui? Il est où? Et il est où? Attends, ils sont sérieux les... On peut en prendre que deux des trucs là. Pourquoi? Il est dangereux. Toi aussi. Et moi encore plus. Mais on a besoin de lui. Hé hey, j'ai besoin de vous ici. Bon, très bien. Amicia, regarde. Les cristaux jaunes de l'épisanguis. Tu as raison. Elle est revenue. Arnaud! Ah, enfin. Ces cristaux jaunes près de toi. Casse-en un bout et envoie-le-moi. C'est bon. Je suis prêt. À ton signal. Parfait. Ça ne marchera pas tout seul. Je dois rajouter quelque chose. De quoi rendre ça volatile. Du salpêtre peut-être. Merde, je le visais où? Merde, j'ai pas suivi le truc là. Là-haut? Ah, je vois le dalle. Ouais. Occupe-toi de ça. J'y vais. On dirait que tu pourrais utiliser ça, non? Avec ton arbalète magique,
Amicia, tu pourrais tirer sur cette planche avec ton arbalète. Ça pourrait marcher avec de l'eau d'Oris. Laisse-moi voir. Cours, Forest. Putain, j'aurais dû garder un carreau. J'ai recyclé beaucoup trop vite. C'est du sang, les restes de leur proie. Et quelque chose qui sécrète, je crois. T'inquiète pas, c'est pas dangereux. Tu plaisantes? Je mettrai ces bottes au feu. Allez, tu y es presque. Fichu de saleté infecte. Je suis là. Oui. Ouais, bah. Et ma langue, elle est où? Et c'est cool, mais on fait quoi maintenant? J'ai failli être... Content d'être en vie? J'ai été de toutes les batailles. J'ai regardé la mort en face autant de fois. Mais ces petits merdeux, ils me donnent l'impression d'être de nouveau un bleu. T'es entraîné maintenant. T'es le roi de l'optimisme. Bon. Il vous reste des tours dans votre sac pour continuer à avancer? Non. Je ne vois rien sur quoi tirer. Et je n'ai rien qui tiendrait assez longtemps. Non, non, il faut qu'on sorte d'ici. Attendez. J'ai une idée. Tire un carreau enflammé sur mon bouclier. Quoi? Mais il va brûler. Il a vraiment l'air de s'en soucier. D'accord. Je vais le faire. Ah, super. Ah, je l'ai senti passer. Bien. Quand vous voulez, traînez pas. On y va. On va y arriver. Je vous le dis, dégagez de là. Oui. Oust. Regardez-moi ces lâches retourner dans leur trou. Ah, c'est vraiment dommage que les carreaux, on puisse pas les utiliser plus que ça. Tu vois, même toi, tu t'y habitues. Oui, c'est eux qui ont peur de toi maintenant. Bon sang, oui. Mais j'ai l'impression d'avoir le bras en feu. Mais c'est la muraille. Et la muraille a pris assez de coups comme ça, gamin. Mon corps est aussi fourbu que mon bouclier. C'est ça, la guerre. On touche au but. Tiens encore un peu. Oh, je vais tenir. Ça, je sais faire. Bon. C'est bon. Est-ce que tu t'es brûlé? Pas exactement. Juste une bonne suée. On devrait avancer. Saute! Allez! C'est compris. Oh. C'est là que j'avais croisé Altus sur un live. Bah rien, comme d'habitude. Arbalète, ouais, mais... Fait chier en posant... La recharge beaucoup plus vite. Ouais. Pas trop de choix. C'est bien. On va faire ça. Il nous manque quelques matériaux pour le faire. Avoir des carreaux supplémentaires serait pas dégueu. C'est la grosse épave? Oui, on y est presque. Elle a installé sa planque derrière ce bateau. Elle? Oui, Sophia, le scorpion des mers.
c'est la chef. Elle a l'air effrayante. Moins effrayante que ces maudits rongeurs. On verra ça de nos propres yeux. Allez, un dernier effort. Ce bateau n'ira nulle part. Regarde, il y avait son nom ici. On peut plus le lire. Oui, ce Rafio a connu beaucoup de rochers et de sable au cours de ses voyages. Ça doit être triste de perdre son nom. Ben, trouve-en un autre. Je peux ? Bien sûr. Pourquoi pas ? Je pense qu'il le mérite. Il s'appelle... Le survivant. Ça y ressemble, c'est vrai. En fait, rien n'est jamais mort avant d'être totalement enterré. Laissons-le se reposer. Il l'a bien mérité. Tu viens ? Ok, ok, bon. Ça, c'est des collectibles. Oh, ben serait-ce pas qu'il y aura encore des rats là-dedans ? Oula. Ils sont combien ? Toute une bande. De la racaille qu'elle a ramassée dans toute la Méditerranée. Sophia est un peu leur phare dans la nuit. C'est une sainte pour eux. Et c'en est une ? De sainte ? Oh que non. Ah ! Allez, bâtard. Ah, parce que là... Non. Oh putain! Cours, connasse! Ah. Il s'est bouffé le cul. C'est dommage, j'ai à mon avis là-haut, je dois pouvoir y aller. Bon. Et bien. Je vais crever. Cachez-vous. Reste avec moi. Mais. Ouais, d'accord, mais on y va comment ? Bon, c'est pas... Ouais, mais je vais pas pouvoir monter non plus.
Le comte veut faire le grand ménage en Provence. C'est de la folie. Y a quelqu'un ? Je vais vérifier. Oh non ! Ouais, enfin, en même temps, t'es obligé de te trimballer avec une torche pour échapper aux rats. Et s'il faut aller buter les ennemis, on peut pas y arriver. Enfin, esquiver les ennemis, je veux dire. Putain, mais il redescend jamais. Ouais, son pouvoir redescend jamais, quoi. Sont cuites les bananes. Mais d'où il sort le rat? Oh mais t'es au milieu de la lampe là, mais non. La torche en bas, près de l'épave, c'est par là. Bien. J'espère que Sophia y est toujours. Quoi? Pourquoi elle serait pas? Oh, elle peut être assez imprévisible. Non, 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 il faut qu'elle soit là. C'était. Il meurt pas. C'est foutage de gueule. Il a tous les rats sur lui, mais il meurt pas. Ils sont partis par là. Je le sais. Non mais j'hallucine quoi. Vous croyez vraiment m'échapper si facilement? Aïe, pff, là c'est débile.
Bon, allez, comme ça. Allons, tout va bien se passer. C'est par ici? Oui, un passage discret pour les invités discrets. Bon, toute merde, on va essayer d'aller jusqu'à l'objectif et puis après on va stopper là pour ce soir. De l'eau? La cachette est tout au fond. Non! Non! J'ai peur des vagues! Oh, allez! C'est rien que de l'eau de mer, regarde. Elle a raison. Mais. Hugo, s'il te plaît! Je suis fatiguée. Écoute, pense à ton île. Mais il y a des vagues! Ouais. On si t'as peur de l'eau et que tu es sur une île, t'es dans la merde. Ah, commence pas toi non plus. Assez. J'ai peur. Je vais te porter jusqu'au bout, voilà tout. D'accord. Bien. Et voilà. Seigneur. C'est assez haut pour toi? Regarde, tu ne touches même pas l'eau. Oui. Eh bien, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être si petit. Ça dépend des jours. Tu as toujours peur? Non. Maintenant, tu sais pourquoi on m'appelle la muraille. Parce que c'est comme une forteresse. Exactement. Je ne laisse rien passer. Et ton bouclier ressemble à une muraille aussi. Comment ça va derrière? Tout va bien. Ben, merci Arnaud. Oui, merci beaucoup. Il est temps de rencontrer le scorpion des mers. Voilà, on laissait la cinématique passer. Si je passe d'avant. Oh, mais je t'en prie. C'est moi, abruti. Laisse-le passer. Arnaud, même ces charognards de rats ont pas voulu de toi. J'étais pas seul. Ça alors. J'aime cette nouvelle équipe. Voilà Amicia et Hugo. Le petit a du potentiel. Mais la grande sœur, il va falloir la dompter. Vas-y, essaye. Tu vois. Je constate que tu lui as déjà laissé un souvenir. N'aie pas honte, trésor. Ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux? Ton Rafio, on doit aller à Lacuna, affaire personnelle. C'est fini, Arnaud. J'ai l'armée du comte sur le rable. Et des milliers de rats qui grattent à ma porte. On arrête les frais. Je les renvoie tous chez eux. Alors, viens toute seule. Sophia, tu me le dois bien. C'est d'accord. L'océan m'appelle à nouveau. J'ai besoin de prendre le large. Allons-y. Juste une chose. Quoi? Si tu la touches une seule fois devant moi, je te tue. Mordu. Et au fait... Les hommes du comte ont mis mon bateau en cale sèche. Oh, l'appel de l'océan. Ça, c'est plus vrai que jamais. Je dois dire deux mots à mon équipe. Allez voir au village, mon navire est là-bas. Je vous rejoindrai. D'accord. Venez. Alors, c'est le moment de l'année où tu veux tout plaquer? Sauf que c'est pour de bon cette fois. Bien sûr. On va jouer aux osselets en attendant que tu reviennes, comme toujours. Allez, on va stopper là pour ce soir. Ce sera déjà un peu plus d'une heure et demie de live sur Plague Tale. Donc voilà, j'espère que le stream vous aura plu. N'hésitez pas à vous follow si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres lives. Allez, salut les gars.